Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild. Les amis, mon Joy-Con va beaucoup mieux, ça y est, je pense à retrouver la solution, donc c'était dû à un mauvais calibrage du Joy-Con bleu, donc j'ai refait un calibrage et là, mon Link ne bouge plus du tout vers la gauche, donc je pense que là, ça y est, il a plus de problème. Donc les amis, dernière... Oh non, il a eu le problème. Merde, bon bah finalement il a eu un problème. Ouais, il a eu le problème. Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un calibrage et bon, c'est pas grave. Mais ça a l'air quand même moins présent. Vraiment là, c'est parce que là je force. Ça a l'air quand même moins présent. Donc dernier épisode les amis de Zelda Breath of the Wild. Nous allons affronter ce boss final. Le boss final de l'Ordre Prodige. Avant d'arriver au sous-sol, vous avez découvert une zone exceptionnellement vaste. Traverser l'Amirante. Donc on va battre le boss final. Un boss extrêmement dur les amis. Vous allez comprendre, mais voilà. J'espère qu'on va réussir à le battre. C'est parti. Let's go. Cinématique, je pense, qu'il va y avoir une cinématique. Il me semble. Oui, il me semble qu'il y a une cinématique. On se retrouve juste après. Tu as plus que prouvé ta valeur, héros. Donc là, c'est classique. Au nom de Hadès, il y a... Je te soumets à l'épreuve finale. Et oui, ils peuvent bouger, les amis. Ce n'est pas des statues. Ils sont vraiment vivants. C'est incroyable, ces Sheikas. Incroyable. Et vous avez remarqué qu'il fait 3 mètres, en fait, un Sheikah. Moi, je pensais toujours que ça faisait notre taille, mais non. Ça fait 3 mètres, c'est énorme. Ils sont super grands. Commençons. Guide, le fameux guide Mitsukuya, pour vous défier et affirmer votre droit de piloter une créature divine. Donc voilà, dernier boss, ultime boss à affronter les amis, et je vous le dis, il est super dur. Je me chie dessus actuellement, vraiment, il est super dur, on va en chier. Je tiens vraiment à vous le dire, on va en chier. D'une force incroyable. Donc, on va pas être dans la demi-mesure, clairement. On va voir sa vie déjà. Ah, sa vie, c'est vrai, j'en ai pas besoin. Donc, du coup, alors, comment il joue déjà? Donc, l'avantage, c'est qu'on a les prodiges quand même. Tiens. Wow! Alors, comme on peut le voir, il a évidemment les techniques de... Il y a quelques techniques qu'on a déjà vues, pour le coup. Genre, notamment, là, on vient d'en voir une. Alors, par contre, ce qui m'embête... Ouais, ce qui m'embête quand même, c'est que j'ai beaucoup de trucs grillés. On va commencer par ça, tant pis. Hop. Et ce qui est m'embêté... Donc là, ça c'est la technique du qu'on connaît bien. Ok, donc un tiers de sa vie est enlevé. Il a, il me semble, 3 phases. Donc là, c'est sa deuxième phase. La phase avec les clones. Alors, honnêtement, je redécouvre avec vous, hein. Je m'en souviens plus. Alors là, le truc, c'est de trouver le bon. Honnêtement, j'ai pas vraiment de conseils pour vous, les amis. Aïe, ma charcutée. Oh non, il pleut. Oh, il a tout prévu, cet enfoiré. Oh, j'ai trouvé le bon. Il doit avoir une différence, à mon avis, avec eux.
Oh! J'aime pas. Ouais, du coup, c'est vrai que ça sert à rien. Ok, une flash explosif. Waouh! Par contre, il me charcute bien. Hein. C'est vrai qu'il. Je suis en train de me faire charcuter la tronche. Vraiment, qu'on se le dise. Je suis en train de me faire taillader en deux. Alors, les trucs grillés, évidemment. Ne pas oublier aussi que j'ai Mifa encore. Hein. J'ai Mifa qui peut m'aider. Voilà. La protection. Tiens. L'épée de légende fait extrêmement mal. Wow. Ah, c'est lui le bon. Putain, c'est lui devant moi là. Tiens, je savais que c'était toi. Ah. Troisième phase, je crois, et dernière probablement. Il me semble, je sais plus à combien de vie il est là, il doit être à sa moitié. Ah, la forme géante, ça c'est la forme de Koga, je crois. Mais beaucoup plus chiante. Alors là, il va faire quoi déjà? Je m'en rappelle plus. On va l'observer un peu. Ouf. Ouais. Ouais. Ah. Ouais, d'accord. Ah, trop tard, putain. Faut que j'en garde une, ok. Eh bien, pas de problème. Oula, par contre, ça j'aime pas. Et en plus, j'ai pas mon... Putain, j'ai raté. Merde. Dommage. Bon. Il va nous faire quoi, une nouvelle technique encore? Il y en a trop. Trop de nouvelles techniques. Ah! Il fait bouger le terrain en plus. Ah, vrai? Ah! Je vais faire un manque à dégâts. Ah, là peut-être. Ah, d'accord, ok. Si je vise la tête, les amis, ça le stun en fait. Et donc, du coup, il tombe. Et du coup, je peux lui mettre des dégâts. Pas mal de dégâts, non. Je sais pas si ça marche encore. Ah non, là par contre, ça marche pas. Effectivement. Ah, là, il nous refait son coup. Mange ça, allez. Yes. Il a bien mangé là. Là pour le coup. Waouh. Tiens. Ouf, vite. Les amis, normalement on va réussir à le battre. Écoutez, ça fait plaisir. On va se remettre en mode héros de la légende. Évidemment. Non! Non, je suis deck! Putain, j'ai pas le bouclier d'Hyrule. Ah! Putain, non! J'ai pas pu changer. Ah bon, bah j'ai épée de légende, mais. Ah non! Non! Et j'ai l'arc en plus, c'est dégueulasse. Bon, on a réussi à le battre. Bon, bah voilà. Bah écoutez, les amis, je suis très surpris que j'ai réussi à le battre avec vous parce que j'ai galéré à mort quand je l'ai battu la première fois. Alors que là, c'est passé tranquille. Mais en même temps, c'était dans mon ancien compte. Là, on a vraiment un compte assez complet pour le coup. Avec toutes les tenues et tout. C'est pour ça qu'on n'a pas galéré.
Mais c'est vrai que mon ancien compte, j'avais quand même pas tous les cœurs, en fait, c'est pour ça. Après cette épreuve, ton courage ne saurait plus être mis en doute. Je te félicite. Ah, bon, ça me rassure. Tu as fait tes preuves, héros. Tu as gagné le droit de piloter ta propre créature. Ah, nice. À votre avis, les amis, à quoi ressemble ma créature divine? Bon, je pense que vous le saviez, hein. Clairement, c'est impossible de pas savoir, vraiment. Donc là, je pense que vous le savez. Mais vous ne connaissiez peut-être pas la... comment là, en fait. Ta-na-na-na-na. Tablet de checker reconnu. Activation du module en cours. Boum, destrier de légende 0.1. Invoque le Destrier de Légende 0.1, placez des matériaux dans son réservoir pour fournir de l'énergie à la machine. Vous pouvez l'invoquer à tout moment, sauf quand vous vous trouvez en certaines zones de la carte. Le présent qui t'est confié est un pur chef-d'œuvre de technique conçu pour le héros véritable. Héros d'Hyrule, puisse la Deacilia te protéger dans ta quête. Et du coup voilà, c'est le seul sage, l'un des seuls sages Shaker, les amis, qui ne disparaît pas. Il reste là. Et du coup, vous avez remarqué qu'il a créé une zone de combat fait pour, donc aller en l'air. C'était assez drôle pour le coup. C'était assez marrant. Et bon, vous faites pas d'illusions, hein, on pourra pas la voir à tout moment. Ça aurait été sympa, hein, mais malheureusement, on ne verra plus cette zone. Ah oui, la fin, les amis, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, c'est con, mon bouclier, putain, et mon arc, c'est con. Ah, tiens, te revoilà. Je ne saurais dire pourquoi, tu me sembles plus grand que la dernière fois. Eh bien oui. Mon œuvre est achevée. Veux-tu que je la chante? Tu la trouveras peut-être assez intéressante. Je t'ai parlé, je crois, du chant que feu, mon maître, jamais ne termina. Eh bien, c'est chose faite. J'ai repris ses recherches, poursuivi son voyage. Oui, le couplet manquant conclura son message. L'endroit est idéal pour déclamer mon chant. La scène que je narre eut lieu il y a 100 ans. Quand le château d'Hyrule, visible à l'horizon, vit de six êtres illustrent l'intronisation. Voici l'ode au prodige. Alors, je monte un peu le son pour moi, les amis, parce que, on va pas se mentir, cinématique qui va être géniale. Vraiment, vous allez kiffer. Et du coup, énième souvenir, les amis, dernier souvenir du jeu. Et oui, rappelez-vous, il nous en manque un de souvenir. Et c'est justement ça, le couplet manquant. Ici à l'appel de votre roi, vous acceptez une mission qui met votre vie en péril. Soyez remerciés.
Je vous nomme prodige du royaume. Portez fièrement ce titre et l'habit qui le représente. L'azur de sa trame est celui de la famille royale d'Hyrule depuis l'aube de son règne. La princesse Zelda a tissé ses vêtements comme elle a tissé le lien qui vous unit. Ma fille, l'heure est venue de tenir le rôle auquel votre naissance vous destine. Conduisez les prodiges à la bataille. Combattez pour Hyrule et protégez notre royaume du fléau jusqu'à votre dernier souffle. Je sais pas vous, mais moi je suis pas trop à mon aise dans ces trucs officiels. Voilà donc la fameuse tablette Sheikah. Il semble qu'elle ait été conçue pour remplir différentes fonctions. Malheureusement, nous sommes encore loin d'avoir percé tous ses secrets. En tout cas, elle crée des images fidèles à la réalité. Je l'ai vue. La princesse m'a fait une démonstration l'autre jour. C'est incroyable. Je serais curieuse de voir ça. Votre Altesse, dites-moi, pourrais-je vous demander une faveur ? Bon, on va faire ça ici, ça sera très bien. Regardez tous la tablette Sheikah. Daruk, si tu ne te baisses pas un peu, tu ne rentreras jamais dans le cadre. Pourquoi cet air sinistre, votre Altesse ? Faites-moi un beau sourire. Révali, rapproche-toi au lieu de soupirer. Ah, je vous jure. Mipha, t'es raide comme un piquet. Respire un grand coup. D'accord. Regardez tous par ici. Tout le monde est prêt ? Faites-moi un magnifique... Ristiti ! Et voilà, les amis, magnifique. Ah, une cinématique vraiment magnifique, super belle. C'est kiffant. Par contre, qui prend la photo? Je pense que c'est le maître à Azarim, je pense. Dommage qu'on ne le voit jamais. À compter de ce jour, ils connurent le prestige qui revient à qui porte le titre de prodige. Mon maître me disait que lorsqu'on écrit, il faut que les mots brillent, des couleurs de la vie. Mon voyage achevé, aujourd'hui je comprends et je remercie pour ces enseignements. J'oubliais, j'ai trouvé quelque chose en rangeant les journaux que mon maître tenait de son vivant. Je crois qu'il serait juste que la chose te revienne. Toi qui as des prodiges la volonté sereine. Photo des prodiges, pris après la cérémonie d'intronisation, ce cliché montre la princesse Zelda entourée de ses 5 prodiges. Azarim vous l'a remis une fois terminé son ode aux prodiges. Puissent les âmes des prodiges à jamais protéger le royaume d'Hyrule et en paix reposer. Link. J'ai été témoin de tes exploits. Tu as relevé chaque épreuve avec courage. Ton pouvoir est grand. Tu es prêt à présent. Va. Accomplis ton destin. Tu triompheras du fléau. Je le sais. Et voilà. L'ode au prodige terminé, les amis. Ah, ça y est. Breath of the Wild est officiellement terminé, les amis. Nous avons tout fait.
les amis, donc le rite symbolique, non c'est ça, voilà, Ode au prodige, ex-souvenir 5. Link et ses compagnons sont convoqués au château d'Hyrule pour y être nommés prodiges par le roi. Au terme de la cérémonie, le groupe au complet se détend dans les jardins du château et Mipha suggère d'utiliser la tablette Sheikah pour immortaliser ce moment. Et voilà, nous avons tous les souvenirs, les amis. C'est magnifique. Donc en gros, là, dans tout ça, vous avez toute l'histoire résumée. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, avant de terminer, les amis, je vais vous faire voir cette fameuse machine, la moto, les amis, la moto, la classique. Alors elle est très sympa, mais bon, elle arrive très tard, honnêtement, on va pas se mentir. Je pense qu'on est peu à l'avoir utilisée, la moto, mais vraiment qu'elle soit utile, donc c'est vraiment un gadget. Voilà, la moto, hein, très stylée, pour le coup. Oula, putain, donc là, je vais crever. Et oui, je vais mourir. Alors, on va se remettre évidemment le bouclier, on va enlever notre arc, on en a plus besoin, voilà. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment super, hein, cette moto. C'est vraiment une moto géniale, clairement. Voilà, et on peut faire ça. Un super salto. Et du coup, vous avez remarqué que c'est la moto dans Mario Kart 8. C'est la même, mais bon, elle avait changé de design, hein, au début... Au début de Mario Kart 8, c'était pas la même moto et après ils ont copié sur Breath of the Wild. Alors dernière chose que je voulais vous faire voir les amis, c'est dans le village d'Ali Smith. On va retourner voir notre maison. J'ai une dernière chose à vous faire voir que vous allez peut-être aimer. Peut-être. On va aller voir notre maison et on peut faire quelque chose qui est assez stylé. Donc là vous voyez l'écran d'accueil, notre moto. Donc nous avons les 5 créatures divines. Voilà. Asakiam et la moto. Voilà, ça aurait été un excellent jeu, hein, ce Zelda Breath of the Wild. Quand même, les amis, un an et demi sur ce Zelda Breath of the Wild, c'est incroyable. Bon, je sais qu'à l'heure où je vous parle, je suis en vacances de la Toussaint. Je pense que quand j'aurai tout publié, on sera probablement à Noël ou en janvier, je pense. À l'heure où vous voyez cette vidéo. Mais du coup, voilà, j'aurais été très heureux de vous le faire, ce Zelda Breath of the Wild. Un grand merci, franchement, d'avoir suivi ce Let's Play en entier. Hein. Je sais qu'il y a des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, vraiment, qui a touché beaucoup de monde. Et ça me fait extrêmement plaisir, pour le coup. Un grand merci aussi pour tous vos commentaires, hein, parce que ça a été vraiment une aventure, hein, parce que voilà, j'ai eu des commentaires au fur et à mesure, parfois intéressants, parfois moins, parfois astucieux. Mais dans tout ce qu'il y avait, ça restait quand même beaucoup de positif. Donc un grand merci pour le coup. Ça fait extrêmement plaisir. Alors par contre, vous voyez que je traîne, je sais pas où est ma maison. Elle est pas marquée ma maison par hasard? Merde, je sais plus où elle est. Ah, je crois qu'elle est là. Ouais, si, elle est là. Je me suis téléporté au mauvais truc. Donc là, franchement, ça aurait été une énorme aventure. Vous imaginez pas. Vous imaginez pas le nombre d'épisodes qu'on a fait, les amis. Si vous comptez l'Ode au prodige, c'est juste incroyable. Donc maintenant, vous demandez, qu'est-ce qu'il va avoir? Eh ben, comme je l'ai dit à certaines vidéos, il va avoir son remplaçant. Et le remplaçant, c'est un autre Zelda, les amis. Parce que ça ne me dérange pas d'enchaîner sur un Zelda, parce que les Zelda, je trouve que c'est les jeux qui sont très différents les uns des autres, hormis Ocarina of Time, Majora's Mask, même si bon, on est d'accord, quand même, niveau ambiance, c'est clairement pas la même chose, mais... Ah, voilà ma maison, c'est bon, j'ai trouvé, les amis. Mais du coup, le prochain Zelda, les amis, sera The Legend of Zelda Skyward Sword. Le dernier gros jeu Zelda qui me manque à faire, il me semble. Parce que, si on regarde bien, j'ai fait Breath of the Wild, j'ai fait Twilight Princess, j'ai fait... Dommage, je peux pas la refermer la porte. J'ai fait le... Ah, et là, vous voyez, les amis, petite cinématique. La photographie qu'Azarim vous a remise serait bien mise en valeur sur un mur comme celui-ci. Voulez-vous accrocher à la photographie? Eh ben oui, évidemment.
Et voilà. Dans un tableau, tout dans ma maison. Parfait. Et voilà. Petite cinématique, hein. Faites-le pour respecter les prodiges. Non, les amis, merci à RD. Un énorme merci d'avoir suivi cette série. Ça aurait été un énorme plaisir de la faire durant ces 1 an et demi. Ça aurait été ouf, les amis. On n'aura pas d'autres séries comme ça, je pense. Merci à RD. N'hésite pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. Et on se retrouve pour le Zelda Skyward Sword. Bye tout le monde.